Yo les potes, j'espère que vous allez bien les potes. Écoutez, nouvelle journée aujourd'hui, je suis en direction d'une marque que j'ai découvert hier sur Instagram avec Sarah. On a découvert une marque qui s'appelle je sais pas quoi. Voilà quoi, vous allez voir de toute façon. Là j'ai pas de retour caméra, donc je sais pas si je suis bien cadré ou pas, mais bon, je ferai comme je pourrais, hein, à bout de bras, voilà. Donc là je suis en direction d'un showroom en fait d'une marque que je connaissais pas il y a encore très peu de temps. Et on a découvert ça hier avec Sarah, et en fait je vais aller voir parce que ça m'a l'air plutôt pas mal. C'est des espèces de sacs en fait transparents avec des formats A4, A3 et tout. Et c'est comme les feuilles blanches en fait, les formats A3 c'est plus grand, A4, etc. Donc par contre c'est pas mal du tout. Donc je vais aller voir ça et puis ben, on verra ce que ça donne, hein. On verra. Par contre je trouve pas l'endroit sur 32 je crois. Bon, du coup je trouve pas. On va aller check ça et je vais vous montrer de toute façon les images, vous verrez tout à l'heure à quoi ça ressemble. Voilà. C'est incroyable ça. Vous voyez les t-shirts que c'est et les pulls. C'est Fuck Art Make Tease. Je sais pas si vous voyez sur mes photos Instagram, j'ai souvent un t-shirt avec un message en fait, c'est marqué genre narcissisme et tout ça. Mais en fait il y a une boutique. Alors je savais pas du tout par contre. Et ça fait plaisir de savoir qu'il y a ça ici parce que c'est une marque que j'aime beaucoup. Et franchement, ouais, je suis choqué. Je sais pas si vous voyez bien, voilà. Je sais pas si... Voilà. Tac. Ouais, c'est ouf. C'est ouf. Et une boutique genre rue Charlot à Paris. Donc je suis grave content. Ça fait grave plaisir de savoir ça. Si vous souhaitez.
sac, les potes. Un beau petit sac, en mode, on dirait une poubelle, mais en fait... Trop stylé. Il y a plusieurs couleurs de portefeuille et tout. Il y a plusieurs couleurs de sac. Il y a un peu orange abricot, marron. Là, c'est plus le vert noir, là. Les portefeuilles sont trop stylés. Trop stylés. Ok, donc le plus grand des hasards, en fait, je passe devant pour retenir au métro et je vois un showroom pièce unique. Une nouvelle collection, en fait, de pièces uniques. Je sais pas si vous voyez un peu, parce qu'il y a un reflet, mon gars. Voilà. J'ai hâte que ça sorte parce que franchement, j'ai vu le lookbook, j'ai vu la vidéo, c'est énervé. Les pièces sont juste folles et j'ai hâte de pouvoir me procurer une de ces pièces. C'est super ouf. J'aime trop. La pièce unique, franchement, mon gars, ça a de l'avenir. Hein. Ça a beaucoup d'avenir, franchement. Du coup, les potes, on se retrouve maintenant. Donc là, vraiment, le showroom que j'ai fait tout à l'heure, c'était vraiment superbe. Il y avait des belles pièces. On m'a fait un petit cadeau parce que du coup j'ai pu prendre deux sacs transparents que vous avez vu tout à l'heure là, que vous avez montré un peu en vidéo. Je suis super content parce que franchement c'est des pièces qui sont vraiment belles et vraiment on a vraiment envie de pousser la marque à se faire connaître et tout. Donc franchement je vais faire la pub sur Instagram, je vais faire vraiment des photos pour Instagram et tout, et là ça va vraiment être cool. Voilà, donc les gars, si vous avez kiffé vous aussi, bah pouce bleu et la journée continue, c'est parti. Les deux noirs là. Ça va ou quoi? Ça va et vous? J'arrive.